Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 77 de notre aventure 100% sur Yoshi's Crafted World. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était attaqué au port Philbus avec le petit Tio Bricolo, dans lequel on avait récupéré du coup nos deux... on les avait du coup cherchés dans les deux niveaux qui sont présents dans le port Philbus. Donc on a fini à 100% ce port Philbus, je pense plus qu'on aura à y revenir du coup prochainement. Donc du coup, les amis, on va pouvoir s'attaquer au prochain monde. Et le prochain monde, c'est vers le ruban à gogo. Et du coup, les amis, c'est parti. Alors du coup, il y a deux niveaux ici. On va s'attaquer au tout premier, le fameux Pushy et les routes déroulantes. Donc écoutez, les amis, c'est parti. Donc avec le Pushy, putain, ça fait longtemps. Alors lui, là, c'est étrange, mais j'ai l'impression que lui, on l'a fait, il y a bien plus longtemps que le port Philbus, alors que le port Philbus, on a dû le faire il y a encore plus longtemps que ça, vu que c'était le précédent niveau, mais voilà quoi. Ok, oh là là, cette nostalgie avec les vaches. Mon dieu, cette nostalgie. Ok, bon bah écoutez, hein. Hop, c'est tellement bien. Les petits trucs de trouvailles qu'il fallait absolument avoir. Ok, donc il faut vraiment regarder un petit peu de partout, parce que même le devant du décor, il peut avoir des choses intéressantes. Donc il n'y a pas le choix, il faut vraiment regarder de partout. Ok. Ok, donc lui il s'arrête comme ça. Il faut que je m'en souvienne. Ça fait tellement longtemps en même temps que c'est assez compliqué de s'en souvenir maintenant. Ah, c'est vrai que ça remonte tellement ces niveaux, c'est un truc de dingue. Alors, du coup, on avance. Ouais, je mets des pauses parce que faut quand même bien analyser, savoir où sont les... Enfin, si je ne le loupe pas, quoi. Bon, après, vu le décor, je pense qu'il se démarquera des autres, hein, je vous le dis. Je pense, déjà, pourtant, dans un décor médiéval, dans l'épisode précédent, ça se démarquait assez des autres. Donc, je pense que, les amis, ça se démarquera bien, vu le décor des autres, tout simplement. Alors, sauf si c'est ultra loin, sauf si c'est un truc ultra loin ici, mais je pense pas. Je pense qu'honnêtement, ça sera assez proche. Enfin, je pense. Enfin, j'espère que ça sera assez proche. Mais ouais, donc, écoutez. Ok, vas-y. Merci. Thank. Donc là, y a rien. Ouais, il faut quand même regarder derrière les différents décors, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Ok. Wahoo! Ah, d'accord. Je viens de comprendre le problème. En fait, j'ai ma manette qui rebug, les amis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui interfère. Il y a un appareil qui interfère avec la manette. Et j'ai l'impression que ça le fait même à la... Comment ça s'appelle? À la télé. À la télécommande de la télé. Des fois, la télé change de chaîne toute seule. Je sais pas si est-ce que ça vient d'un appareil qui interfère ou quoi. Mais là, pourtant, elle est éteinte. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est un peu bizarre, quoi. Donc, un peu chelou. Oh mon dieu, alors s'il y a un petit Tio Bricolo ici à le trouver avec 50 milliards de choses, les amis, ouais, on va tout niquer quand même, parce que s'il est derrière et qu'on se fait baiser au final, donc ça serait un peu débile, sachant qu'on a le truc qui permet de spawn un peu des œufs. Merci. Vite. Thank. 20! It's perfect! Non, y'a rien du tout. Ok, bon, écoutez, on va continuer. Alors, on va avoir des petits œufs. Merci. Bon, l'autre, on l'aura avec le truc. Y'a aucun problème. Et voilà! Ok, bon. On l'a toujours pas trouvé. Oh, what the fuck? Ah, ok, d'accord. Sorry! sorry. Hop, non.
Oh le bâtard. Sorry, je voulais pas te défoncer comme ça. Ok. Voilà, toujours pas trouvé. Ah ça, je vous avoue que ça commence à être inquiétant. Ça commence à être un petit peu inquiétant, si vous voulez mon avis. Il pleut des pièces quoi. Non, il y a pas un. Ok. Merci. Thank you. Bon, bah il manque toujours le petit tube bricolo, hein, qu'on ne sait toujours pas où il est. Ok, so, on va retourner parce que on a besoin des œufs. Voilà, bon après, je sais toujours pas où il est quoi, hein. Je sais toujours pas où il est quoi. Ça m'aide pas, hein, ce truc. Ouais, surtout que quand t'as pas d'œuf, c'est pas évident. Oh fuck! Faut des œufs, toujours des œufs. Y'a trop d'items aussi, enfin y'a trop de décors. Thank. Y'a beaucoup trop de décors. Ok, donc là on peut valider la chose. Voilà, c'est mignon. Le truc, c'est que je suis obligé de péter les décors parce que, à mon avis. Il va bien y avoir un moment où il va être derrière un décor, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix si vous voulez mon avis. Même si j'ai l'impression que il a pas l'air d'y être derrière un décor, hein. j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'y être, hein. J'espère juste ne pas l'avoir loupé, quoi. Ouais, je sais pas, hein. Ok. On a dû louper, c'est pas possible. On a dû louper. Oh, le petit plushie qu'on connaît. Parce qu'après, il n'y a que du vide, donc c'est pour ça que ça me fait... Ça me fait peur. Enfin, que du vide, non, mais... Ah, wait. Faut pas aller trop vite parce qu'il faut vraiment que j'analyse tous les décors. Hein. Ok. Vas-y, viens. Bien manger. Voilà, et monte. Thank you. Ouais. Fuck. Thank. Ouais, bon, en fait... Mais il est où? On l'a loupé, c'est pas possible. On est arrivé tellement loin. Dans le niveau? Mais là, c'est la fin. C'est pas la fin ici, je crois? Je sais plus. On a certainement dû... Ah non, il est là! On l'a vu! On l'a... Il est là! Ah bah putain, il était loin aujourd'hui! Sacré nom de Dieu, il était loin! C'est bon. Tu sais quoi, on va quand même profiter, vu qu'on a ça. Ah non, finalement non. Parce que j'ai peur qu'on puisse pas revenir. Bon bah écoutez, les amis, enfin
Le petit tubricolo trouvé, il nous reste plus que le dernier de ce niveau, enfin de ce monde. Bah du coup, il y a peut-être, dans certaines circonstances, on devra le faire en deux épisodes. C'est possible, hein? Mais que deux épisodes, donc on fera pas d'autres choses derrière dans le deuxième épisode. Donc il sera certainement court, mais bon écoutez, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles, hein, donc... Enfin si c'est moi qui fais les règles, mais c'est pas moi que les règles doivent être imposées, on va dire. Donc écoutez, toi c'est fait, maintenant on va pouvoir s'attaquer au défi. Ah, vieux chi chamboule tout. Oh my god. Oh my god, what the fuck. Je m'en souviens plus du tout. Je crois qu'il y a un moyen de frapper vite ou de frapper bien, enfin bien puissamment. Je sais plus. Wow, je sais plus du tout. Alors là, on va devoir quand même frapper le bloc pour avoir des plus amples informations parce que ça fait tellement longtemps. Alors, défi Yoshi Chaboultou, utilise le char de Yoshi pour tout détruire sur votre passage. Utilisez le joystick pour frapper dans la direction souhaitée. Maintenez B et relâchez le bouton pour donner un coup puissant. Ok. Ok. Surtout que... Il faut savoir où il est, hein. Merde. Bah, il faut savoir où il est, quoi. Mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vrai que c'était compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'on peut frapper dans les directions souhaitées. Quel boulet. Ouais, je regarde quand même où il est, le petit dieu bricolo. Je sais pas où il est. Oh, what? On l'a trouvé. Il était où? J'ai même pas vu. Ok. J'ai tapé tout ce qui bougeait, donc... Bon, bah, ok. Perfect. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Tout se sera très, très bien déroulé. Du coup, les amis, dans l'épisode prochain, on partira en direction du pic du Condor avec cette fois-ci 3 niveaux. Donc, c'est là où je vous dis peut-être on mettra 2 épisodes, hein, vu le nombre de niveaux dans certains mondes. Donc, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 77 de notre aventure 100% sur Yoshi's Crafted World. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro. Attendez, je veux juste voir les... Non, il n'y a vraiment rien. On se retrouvera du coup à l'épisode prochain pour l'épisode numéro 78 qui arrivera certainement prochainement, je sais pas quand, mais qui arrivera certainement un moment ou un autre. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.